Bonjour et bienvenue sur les tutos de Fredo. Aujourd'hui, comment réduire plusieurs photos ou images très rapidement. Pour cela, nous avons besoin du logiciel Photofiltre. Je vous mettrai le lien pour le télécharger dans la description. C'est un logiciel gratuit pour sa version de base. Donc, on lance l'installation de Photofiltre. On clique une fois l'installation faite sur le raccourci pour Photofiltre, on vient ici dans Outils, on clique sur Outils, Automatisation, là, Fichier, on prend la source, le dossier source ici. Alors moi j'en ai préparé un directement sur le bureau hein, qui s'appelle Dessert. On clique sur OK. Là, vous voyez toutes les images qu'il peut avoir à raccourcir, à redimensionner ou à alléger. Et on choisit un dossier d'exportation, c'est-à-dire le dossier où vont se trouver les images modifiées. On clique dessus. Là, moi, j'ai créé un dossier sur redimensionner. On fait OK. On vient ici pour voir la qualité que l'on désire. Si on veut que notre image soit bien compressée, moi je la compresse en général à 40-35%. Voilà, là on va le faire à 40%. Ok, ici on vérifie que rien n'est coché. On peut changer la luminosité, ce qu'on veut un petit peu. On peut ajouter des filtres. Là, en même temps, des rotations si on a besoin. Et là, on vérifie 73 images, compression 40, le type de format JPEG et on fait OK. Et là vous allez voir, ça va aller très vite. Il y a 73 photos images à passer. Et voilà, à la fin, vous avez cette fenêtre qui s'affiche là. Donc là, vous pouvez tout fermer, hop. Hop, vous venez d'en redimensionner et vous avez vos 73 images ou 10 hein, peu importe, qui ont été redimensionnés et compressés. On peut vérifier tout de suite là le poids du dossier qui fait à peu près 61 MO. On le compare à celui-ci qui était vide, il fait 10 MO. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.